termes vraiment de prévision, cette année également, les écoulements seront supérieurs. On aura une tendance comme celle de l'année passée. Donc, avec de fortes probabilités, parce que je vous ai dit, c'est des prévisions. Donc, c'est-à-dire, on évalue les chances pour que l'événement puisse arriver. Donc, on a des probabilités qui sont supérieures à 45%. Nous, on a eu des producteurs qu'on a tournés qui ont donné même des probabilités jusqu'à 90% pour que l'année soit supérieure à la moyenne, qui est la moyenne de référence, que l'année, les écoulements soient supérieurs. Donc, il faut également s'attendre à des inondations, et probablement cette année. Mais comme je dis, c'est des prévisions, hein, c'est des probabilités. Effectivement, il y a des mesures. Vous savez, en 2020, on a tiré des leçons. Et le gouvernement a tiré des leçons. Et déjà, le gouvernement a pris cette année des mesures, notamment pour réhabiliter les brèches au niveau des digues. Donc, si vous partez, vous allez voir qu'il y a l'ONARA qui est en train de travailler, qui a colmaté toutes les brèches là au niveau des digues, qui est en train de rehausser les digues de protection au niveau du fleuve. Donc, je crois qu'il y a des mesures qui sont en train d'être prises. Et puis, parmi ces mesures-là, bien sûr, il y a d'autres qu'il faudrait ajouter. C'est-à-dire, il faut qu'on continue sur la sensibilisation des populations. Il faut que les populations quittent les lits des cours d'eau, parce qu'il y a jusqu'à présent des gens qui sont situés sur les lits des cours d'eau. Il faut que certaines personnes arrêtent de creuser des brèches au niveau des digues. Et tout ça, vous voyez, c'est lié souvent à l'incivisme aussi. Des modèles qu'on a installés, notamment le modèle Islapis, grâce à la coopération italienne. Donc c'est un modèle hydrologique que dès que les eaux nous viennent depuis la frontière du Burkina, parce que les inondations sont liées aux précipitations qui tombent dans la partie sud-ouest du Niger et les eaux qui nous viennent également du Burkina. En cette période, qu'on appelle la crue burkinabé ou la crue locale, on suit tout ça au niveau du service hydrologique et à chaque moment opportun, on essaie d'informer les autorités et puis les populations, les maires, les communes et de la situation qui prévaut et qui va advenir, des prévisions pour qu'ils puissent prendre les dispositions. Et notamment en 2020, ce modèle-là, le Islapis, il a vraiment joué un rôle qui a permis de diminuer les dégâts, notamment au niveau de la Sirba et même au niveau de Niamey, parce qu'il nous alertait déjà pour que nous dire que, en fait, à telle date ou à telle heure, les niveaux d'eau vont augmenter, vont continuer de monter à Niamey. Et nous, on a prévenu pour que les dispositions puissent être prises pour éviter des dégâts.